Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve enfin pour tester mes dernières petites nouveautés. Donc, il y a des nouveautés qui sont sorties récemment, il y a des trucs qui sont sortis un peu moins récemment. Quoique non, c'est beaucoup du récent. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a à tester? Alors, on a la base Jelly Machin, là, Fix and Last Essence. On a le fond de teint IRL Filter de chez Révolution. J'avais vraiment hâte de le tester, celui-là. On a les bronzers et le blush de la collection Disney Essence et Catrice. On a les deux produits Azure Sale, le Anastasia et le Catrice. Un mascara Catrice que j'ai pas encore testé et les palettes Glisten, et on va tester un des rouges à lèvres que j'ai pas encore testé de chez Milani. Je sais pas lequel, enfin que j'ai pas testé. J'ai fait les swatches, hein, mais je les ai pas appliqués lors d'un make-up. Voilà, donc c'est un full face. Je sais que vous aimez beaucoup ça. Donc on y va tout fouette. Je me rapproche un peu et je vais dégager à tout fait avec mes jolies pinceaux fleurs. De toute façon, c'est le printemps. Voilà, on va essayer de les pousser un peu plus vers l'extérieur avec les lacets. Alors les lacets, j'adore. Et si jamais vous les commandez, ne faites pas comme j'ai fait avec le premier lot, ne les coupez pas. Parce qu'au moins, vous pouvez faire plus de croisillons et tout ça, tout ça. Donc ne les coupez pas. Voilà, c'est un conseil. Sauf si vous avez les cheveux plus courts que moi. Alors, on va pas traîner. On va commencer tout de suite avec la base. Donc c'est la Fix and Last Hydrating and Refreshing de chez Essence. C'est une des dernières qu'ils ont sorties. Alors, faut que j'amorce. Bon, je vais mettre que deux pompes parce que Manon l'a déjà testée. Et elle sent vraiment très fort. Hein. Elle sent bon. Mais elle sent vraiment très fort. Et il y a une petite odeur de produit chiotte. Elle a vraiment une texture gel, donc c'est super agréable. Et ouais, elle est bien rafraîchissante, on la sent. Oh, j'ai mon bobo de nez encore. Hein. Il ne veut pas partir, je suis là. Elle pénètre assez vite dans la peau. Donc, j'aime bien. Voilà, elle fait rien de particulier. Elle fait juste tenir le maquillage. Elle ne lisse pas. Je crois qu'elle a l'air de luminer un petit peu. On voit sur mon bout du nez. En tout cas, elle pénètre super vite. Voilà. Donc, pour l'été, elle va être super pratique. Enfin, super agréable à utiliser, je pense. Ah, on va enfin tester ce fond de teint. Par contre, je disais pour les contenances 23 ml. Franchement, ils abusent. Ils diminuent à fond les quantités chez Révolution. Ils augmentent les prix, ils diminuent les quantités. Franchement, ça devient limite de l'arnaque. Donc, voilà. Mais bon, j'avais quand même envie de le tester. Hein, donc j'amorce. Alors je vais mettre un peu plus d'une pompe et je vais juste faire un côté pour voir. Donc la teinte, j'ai pris la F6 parce que c'est la teinte que j'utilise toujours chez Révolution. Donc c'est ça qui est bien chez eux, c'est que bah, une fois que vous connaissez votre teinte, peu importe la gamme qui sorte, vous pouvez prendre la même teinte. Donc la teinte est nickel. À voir s'il ne s'oxyde pas non plus. Hein. Et la couvrance, c'est vraiment pas mal. Hein. Bon, je vais en mettre aussi sur mes paupières parce que j'ai pas besoin de base et qu'on va faire du liner. Oh, j'adore. Oh, le rendu, j'adore. Alors, j'ai des petits boutons ici. Enfin, j'ai fait une réaction allergique à la colle à fossile. Il faut que je la jette. Je pense qu'elle est périmée, mais bon, enfin bref, c'est pas le sujet. J'adore. J'aime beaucoup le rendu. Il a une très belle couvrance, ils se font bien à la peau, il a un fini mat. Alors côté filtre IRL, c'est censé être comme si vous étiez photoshopé. J'ai pas l'impression d'être photoshopé, mais j'aime beaucoup le rendu. Donc je fais l'autre côté. Ça m'arrange pas parce que du coup, vu qu'il y a moins de contenance, ça revient cher. Hein.
Mais bon, après, ils font souvent des promos, donc. Voilà. Wow. J'aime bien. Alors moi, je verrai un petit peu plus tard s'il bouge ou pas, mais franchement, en tout cas, question couvrance, teinte et tout ça, très bien. Je suis contente. Donc, à voir sur le long terme. De toute façon, je vais bientôt avoir fini le glow, enfin, l'hydratant de chez Chiclam, donc c'est celui que j'utiliserai après puisque j'ai nouveau. Alors, je vais mettre un tout petit peu d'anti-cerne. Hein. Je crois que vous commencez à savoir que j'en mets vraiment que très légèrement. Voilà, juste un tout petit peu ici. Donc c'est le essence, celle que j'ai ouvert, que je vais terminer. Un peu ici. Voilà, juste très léger. Très 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 léger. Alors il est un peu jaune, plutôt qu'éclaircissant, mais il faut que je les utilise. Hein. J'en ai quelques-uns en stock. Bon, ici, ça fait un effet matière aussi, mais bon, entre la base et le fond de teint, je sais pas lequel merde. Hein. Ouais, ça fait un petit peu un effet matière ici, mais c'est très léger. Bah, pour l'instant, le fond de teint, en tout cas, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas du tout une nouveauté et c'est pas un crash test. Ça fait plusieurs jours que je fais comme ça. Donc, normalement, j'utilise la poudre. Enfin, normalement, j'utilise principalement la poudre Chiclam, donc avec une poudre compacte illuminatrice et lissante pour le dessous des yeux. Et du coup, comme là, je suis en train d'utiliser les actions, j'ai ressorti ma bonne vieille poudre de chez Sephora. Donc, c'est la 7 poudre lissante éclat pour faire la même chose. Et l'effet génial. Ah! Voilà. Donc, nouveau combo de poudre préféré, Action et la Sephora pour les cernes. Et un peu les zones de lumière. Bon, elle fait la même chose que. Elle est juste un peu plus luminante. Lumineuse. Que la Chiclam. Elle fait la même chose. Hein, si vous avez le. J'ai mes cheveux qui m'emmerdent. Si vous avez le combo Chiclam, ça fait exactement la même chose. Maintenant, si vous avez des poudres libres autres et que vous voulez quand même le même effet, ben, voilà une petite astuce. Donc sur le résultat, je vais mettre la Action Fairy Alicious. Donc c'est la poudre à la cerise. Donc là aussi très légèrement. Balaye juste un peu. Non, c'est pas vrai. Mais vous voyez, ça assèche moins mon contour des yeux que quand j'utilise la poudre libre sur l'anti-cerne. J'ai un peu abusé avec la poudre. Mais elles sont tellement bonnes, ça donne envie de prendre un bain dedans. Alors, je balaye l'excédent partout. Ici, faut pas faire attention, hein. Ça me fait des taches. C'est à cause de la colle à fossiles. Puisque juste avant, j'ai tourné le make-up Sailor Moon que je vous ai déjà posté. Donc je vous remets en barre d'infos. Ben, c'est pas mal, hein. Franchement, le fond de teint, j'aime bien. À voir. Franchement, je le retesterai avec d'autres produits plus habituels. Enfin, la base notamment, puisque le reste, c'est ce que j'utilise de toute façon. Alors, je vais quand même donner un petit coup de fond de teint poudre par-dessus, hein, histoire de ne pas être trop blanche. Quoique là, ça va. Hein, franchement, ça va. Donc, je vais le mettre au pinceau. Puisqu'il n'y a pas besoin de foncer mon teint. Ce que je dois faire avec le Chiclam. Donc, pour quand je mets le Chiclam, je mets. Pas au pinceau, enfin de temps en temps si, mais en principe je le mets à la houppette et après je balaye l'excédent. Voilà, très léger pour lisser un peu les pores et compagnie. Alors ensuite, je sais pas lequel utiliser, le Belle ou le Marie. Les deux ont une teinte que je peux totalement utiliser. Ils sont bons.
Celui-ci est peut-être un peu plus chaud, celui-ci est peut-être un peu plus neutre. Je vais tester le bel. Allez, soyons fous. Donc je prends ici hein, pour pas trop effacer la gravure tout de suite. Il sent la coco. La teinte est géniale, il s'applique super bien. Je suis contente. J'avais tellement hâte de tester ces petits produits-là. Ouais, je pense que le mari, il ira aussi très bien. Il est juste un tout petit peu plus chaud. Ouais, c'est vraiment très léger, hein. Il est plus pour les peaux un peu plus claires, qu'ils disent. Mais je m'en fous, j'ai pris les deux. Voilà. Je vais pas être en manque de bronzer, hein. Parce que c'est une quantité astronomique hein, qu'il y a dedans. Hein. 28 grammes. 26 grammes. Et j'adore l'odeur qui sent la coco. Petit contouring de nose. Et voilà. Bah écoutez, je pense que ça va devenir un de mes nouveaux bronzers préférés. Hein. Alors, je blende un peu. Et on va pouvoir passer au blush. Donc, j'ai pris Bambi. Juste parce que c'est un Bambi. Il manque un petit peu les cornes. Hein, mais bon, Bambi, il est plus souvent petit que grand dans le film. Hein. Donc, c'est un blush highlighter qu'ils appellent ça. Donc, voilà. Je pense qu'en topper par-dessus le bronzer, ça peut être sympa aussi. Donc, on va essayer ça. Donc, wait. Là, c'est vraiment une teinte plus nude. Hein. Là, c'est très discret. Hein. On voit le côté lumineux, mais c'est pas non plus un truc de foufou. Maintenant, je l'ai vraiment pris parce que c'était Bambi. Après, les trois me plaisaient bien, hein, mais bon, je me suis dit, je vais pas non plus exagérer. Je vous en ai pris un pour mettre dans le concours des 4K que je vais essayer de lancer au plus vite. Mais je pense que celui-ci peut même servir de bronzer lumineux. Mais on voit quand même le côté glow, hein. Il est un peu rosé. J'aime bien. Je l'utiliserai franchement sans aucun souci. Donc voilà. Ça ne sera pas mon blush préféré, mais j'aime bien. Alors un highlighter, j'en ai pas des nouveaux. Donc, je vais prendre le Kaleidos qui est dans les teintes rosées, donc ce sera parfait. Il y a des bruits chelous. On met un peu plus sur le bout du nez quand même. Hein. Ça fait que j'adore faire Rudolph. Voilà pour ça. Alors, source eye. On passe au source eye. Alors, je vais d'abord les dessiner avec mon crayon la Sulcatrice pour l'instant. Parce que pareil, j'en ai en stock, il faut que je les utilise. Donc je brosse pour enlever la poudre et tic-tac. Oui, je suis concentrée et alors. Non, mais c'est les sourcils, hein. Important les sourcils. Alors, on va tester d'un côté le Catrice et d'un côté le ABH. Donc, on va commencer par ABH. Donc, je l'ai pris en dark brown. De toute façon, les deux sont en dark brown, je crois. Wash brown. Je ne sais plus où est notée la teinte. Derrière, mais je ne sais pas lire. Donc la brosse, celle-ci, elle est en forme de sapin. Je sens rien. Oui, même les mascaras à sourcils, je le sens. Je ne cherchais pas à comprendre. Je sens tout ce qui me tombe sous la main. Alors déjà, la couleur, j'aime bien. L'application, j'aime bien. Le goupillon est sympa. Contre les lignes crottes, j'aime pas les crottes. Donc forcément, ça les fonce beaucoup plus que ce que je fais d'habitude, juste au savon et juste un petit coup de crayon. Et de l'autre côté, le volume and lift. Donc dedans, il y a du care complexe, il y a de la wax de riz, donc de la cire de riz, de la glycérine
et de l'huile de tournesol. Donc là, la brosse est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petite, ce que j'adore aussi. La couleur est un peu plus cendrée, je dirais, tiens, de ce côté-ci. Je vais regarder de plus près après, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus cendré et que ça définit mieux. J'ai l'impression qu'elle les fixe mieux aussi. Vous voyez, ici, ils sont plus en l'air. Sans rien. Pourquoi je sens, je ne sais pas. Donc, le temps que celui-là sèche, je vais redonner un petit coup de goupillon, surtout pour enlever le caca, là. Pour les refixer vers le haut et bah, blender les coups, soyez plus naturel, quoi. Enfin, naturel, si on peut dire. Alors, le côté ABH, pour l'instant, j'aime beaucoup. La teinte est bonne, ça a l'air d'avoir une bonne tenue. Il s'applique bien. Donc, c'est tout bon. Et de l'autre côté, ouais, il fait un peu plus de patch, donc il faut le brosser un peu plus. Mais la couleur est bonne. Elle a tout petit peu, mince, ça joue vraiment pas à grand chose. Un tout petit peu plus cendré et un tout petit peu plus clair que le Anastasia. Mais je trouve qu'il a une meilleure, enfin tenue, je peux pas dire, mais une meilleure fixation d'entrée. Quand ils ont déjà recommencé à tomber aussi. J'ai juste l'impression que le Anastasia fournit un peu plus. Il y a peut-être un peu plus de fibres à l'intérieur. Parce que ici, vous voyez, on voit encore mon trou. Là aussi. Merci les épis. Il fait plus clairsemé de ce côté-ci que de ce côté-ci quand même. Hein. Je vais juste redonner un ou deux petits coups de crayon pour combler ce petit trou là. Bah écoutez, j'aime bien les deux. Ouais, franchement, le Anastasia, à part le côté plus fourni et plus foncé, c'est exactement la même chose. Hein. Donc, les deux, j'utiliserai sans aucun souci. Surtout qu'en ce moment, je fais plus mes sourcils comme ça que au savon ou à la cire. Ça va plus vite. Voilà. Alors, je vais reprendre mon highlighter pour mettre en coin interne. Et je vais en mettre aussi sous mes chenilles. Je vais mettre un peu d'eau dans un petit pour tester enfin tester, pour utiliser les glistones. Donc j'ai utilisé le pastel et le néon, je vous ferai un réel avec. Maintenant quand c'est des splits, bon, moi à part dans les gros pots comme ça, que je mouille directement, je mets une goutte d'eau dedans. Maintenant je ne mouille plus les autres parce que ça les mouille beaucoup trop. Donc je prends un petit pot à part, je mets un peu d'eau déminéralisée à l'intérieur, je mets 2-3 gouttes. Hein. Et je trempe mon pinceau directement dans le petit pot. Alors, je vais prendre le taille 3, parce que c'est celui que j'utilise le plus. Après, les pinceaux Blisten, je les connais hein, maintenant. J'ai craqué à cause d'Emmy et j'en suis bien contente. Bah, les splits, pareil. Hein. Alors, on va partir. J'ai envie de mettre le turquoise quand même. Mais je sais pas si ça ira avec. On va déjà faire rose, mauve, bleu. Bah, je vais regarder le. Je vais prendre le 2 pour commencer. Pour faire le coin. Enfin, la partie interne. Donc, je vous conseille vivement d'utiliser un petit pot d'eau à part et de tremper le pinceau dans l'eau. Puis après, gratter le fard. Enfin, gratter. Frotter sur le fard. Sinon, ça. C'est la merdasse. Voilà, tout simplement. Alors, je vais commencer par mon coin interne, enfin mon creux interne. Donc, bien évidemment, il faut tremper plusieurs fois votre pinceau hein, dedans, mais au moins ça n'abîme pas le produit. Et si vous trouvez qu'il a une petite teinte un peu, une texture un peu chewing-gum et tout ça, ce qui est assez rare avec les glistones, mais qui peut arriver avec tous les liner cakes, vous les laissez ouverts et vous les laissez sécher. Moi, c'est ce que je fais avec ceux-là.
je les laisse ouverts en fait jusqu'à ce que j'ai fini de faire tout ce que j'ai à faire dans mon bureau et je les referme qu'après. Alors je vais faire aussi mon ratissier. Donc quand vous faites comme ça et que vous devez faire un dégradé, il faut utiliser deux pinceaux, hein, c'est beaucoup plus simple après pour faire le dégradé justement. Voilà, ensuite je prends le pinceau numéro 3 et le violette. Les teintes sont vraiment canon. J'ai donc nettoyé mon pinceau, le numéro 2 du coup, et j'aurais pu prendre un autre, hein, mais je fais ma grosse flemmarde. Et je prends le turquoise, j'ai envie. Pour continuer donc, liner. Donc là, je vais devoir le travailler un peu plus vu que le pinceau est plus fin. Je me casse la nénette pour éviter de nettoyer un pinceau. Je m'emmerde vraiment pour un trait de liner hein, alors qu'il suffisait de prendre un autre pinceau. Hein. Ce turquoise. Ouh, ce turquoise. J'utilise Body. Ok, alors j'ai envie de faire des petits points. Je pense pas que ça vous étonne. Alors, je vais prendre un doting tool. Je vais prendre le côté le plus gros. Donc, je mouille mon doting tool. Je prends d'abord le turquoise. Non, pas du tout. C'est pas le turquoise que je devais prendre. Je commence avec le rose. Alors là, c'est plus délicat si vous utilisez un outil comme ça dur pour mouiller le fard. Donc là, vous pouvez mettre une petite gouttelette dans le truc. Et je vais faire mes petits points. Je prends maintenant le turquoise avec le gros côté de mon doting tool. Assez mouillé, vous voyez. Je fais trois gros points. Et je prends l'autre côté, toujours du turquoise, et je fais des plus petits points. J'en fais trois aussi. Et je vais reprendre le violet. Le violet, je clique dans le jaune. Je clique. C'était n'importe quoi. Est-ce que je refermerai pas avec du violet ici aussi? Avec des plus gros points? Ouais. Oui, je me pose des questions à moi-même. Et voilà pour le maquillage des yeux. Ouh. J'aime beaucoup. Donc, je valide. Mais bon, Glisten, il n'y a pas de surprise. Vous savez, mon addiction pour ces trucs-là. Et avec Emmy, on a calculé, calculé, calculé. C'est cher à l'achat, parce que c'est quand même entre 25 et 30 euros le petit split de 5 fards. Mais ça revient moins cher que d'acheter les fards individuels ou les grandes palettes, quoi. Voilà, bon. En muqueuse. Donc je mettrai le Bratz, mais je le mettrai après, pour caméra. C'est pas une nouveauté de toute façon. Là, on peut passer au test du mascara. Un mascara, j'ai beaucoup aimé le packaging. Alors, c'est avec des fibres. C'est le Maxit volume longueur mascara de chez Catrice. Donc, j'ai presque fini le essence que j'avais acheté. Alors, c'est une très grosse brosse. J'avais pas ouvert encore. Hein. En poils synthétiques. Enfin, en polymère. Bon, attendez, je vais prendre le petit miroir sinon. Bon, alors c'est le genre de brosse, de toute façon quand c'est en plastique comme ça, en polymère, ça définit super bien. Ça, il n'y a pas de doute. Après, le gros problème que j'ai moi avec ces brosses-là, c'est que j'ai souvent tendance à me les foutre dans l'œil et ça fait super mal. Donc, sur le Ricard, comme tous les mascaras Catrice. Bon, là, j'ai un peu trop de lignure sur les cils. Mais le recourbement, ah putain, je m'en fous partout. Le recourbement est mieux pris de ce côté-ci. Donc, je suis un peu plus emmerdée. Alors, le problème avec les fibres, c'est que quand il y en a une qui se place de travers, ça fait une cassure dans le cil. En tout cas, il est bien noir et ouais, il allonge un peu les cils. Pour là, on éclaire une couche. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais le rendu est plutôt pas mal. Hein.
en une couche, hein. Donc on va passer à la deuxième. Bon, bien sûr, il faudra que je nettoie mon caca. Parce que j'ai fait un gros caca dégueulasse. Oh, j'ai bien aimé celui-là. Et là, en deux couches. Quand même, hein. À voir quand il va prendre encore de l'âge. Parce que moi, je les préfère quand ils ont pris un peu d'âge. Donc, si j'aime déjà bien comme ça au premier abord. Même pour les cils du bas, hein, il est super noir. Je reviens pas. J'aime bien. Donc sur les lèvres, je vais tester le Milani. Il y en a deux que je mets déjà beaucoup. Alors je vais utiliser. Je vais tester le Blossom. Voilà. C'est un rose un peu fuchsia. Les autres sont un peu dark pour mettre avec ce genre de make-up. Donc ça je vous dirai après parce que ce sera un que je vous montre quand j'applique le rouge à lèvres. Hein. Ils sont super crémeux déjà. Ils tiennent pas hyper bien sur mes lèvres, mais ça on en reparlera après. Je vais nettoyer mon petit caca, faire mes lèvres, mettre ma muqueuse. Je reviens vous montrer ce que ça donne et on débriefe les produits après. J'ai plus de batterie. Donc voilà le look final avec mes petites nouveautés. Donc je vais essayer de vite récapituler. J'ai plus de batterie. Alors, la base, j'aime bien, sans plus. Elle fait rien de spécial. Elle sent le produit chiotte. Voilà. Enfin, elle sent fort. Elle sent fort, elle chimique. Donc ça fait un peu effet canard WC. Mais franchement, elle est super agréable sur la peau et elle a l'air de bien faire tenir le fond de teint. Donc écoutez, je valide. Petit coup de cœur sur le fond de teint pour l'instant. Hein. Mon teint est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. J'espère qu'il va pas trop me plaire, qu'il va bouger au long de la journée parce que ça revient cher, quoi. Voilà, c'est quand même pas donné. Je sais plus le prix exact, mais. Le bronzer, ok, coup de cœur. Bon, j'ai testé que le Bel, hein, on n'a pas testé le Marie. Mais okay, coup de cœur sur ce bronzer. Après, les bronzers Catrice, moi je les adore de base hein, déjà. En plus, il est beau, il sent bon, c'est Disney. Et voilà. Le blush, j'aime bien sans plus. Voilà, il n'est pas super voyant. Pour une peau claire, ça sera certainement beaucoup plus joli. Mais c'est Bambi, donc on s'en fout. Je l'utiliserai. Gros coup de cœur sur les produits sur ça, les deux. Voilà, j'aime beaucoup les deux. Le Anastasia est un peu plus fibreux, je vais dire. Il fournit un peu plus les sourcils. Il est un peu plus foncé aussi. Mais j'aime bien les deux. J'aime bien leur effet. Celui-ci fait un peu plus naturel. Et j'aime bien leur brosse. Donc, je suis contente. Qu'est-ce qu'on a encore testé? Ben, les palettes, enfin les splits là, de chez Glisten. Je ne vais pas épiloguer dessus, vous savez mon addiction pour cette marque. C'est vraiment les meilleurs liners, liner cakes que j'ai pu tester avec les Sauvages, mais les Sauvages passent en second dans mon cœur. Le mascara, ben vous avez vu que j'aime beaucoup le rendu. Hein, donc j'ai hâte de le retester, surtout quand il aura pris quelques jours de vieillissement. Et les petits rouges à lèvres Nabla, Milani, je les adore. Les teintes sont sublimes, ils s'appliquent très bien, ils sont hyper opaques, ils sont super crémeux, ils sont mats. Le problème, c'est que ils sont tellement crémeux que ça ne tient pas des masses chez moi. Voilà. Mais je m'en fous. Je les aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je suis contente d'avoir acheté les 5 teintes. Il y a une sixième, c'est la rouge, la Poppy, mais déjà, elle n'était pas dispo. Et de toute façon, comme je ne mets pas de rouge, j'en ai deux, ça me suffit largement. Et voilà, j'ai résumé assez vite. Avant que ça coupe. Donc, dites-moi en commentaire s'il y a des produits qui vous intéressent ou que vous avez déjà testé et tout ça, tout ça. Les produits Disney, je ne sais pas s'ils sont encore dispo sur Notino. Ils ne sont pas encore sortis sur Maki Beauty. Je ne sais pas s'ils vont sortir. Et ils ne sortent pas sur Bousy Shop. Et sur quel site est-ce qu'ils sont sur Cosmetic for Less, ils sont déjà out. Donc voilà.
N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits qui vous intéressent, qui vous plaisent, que vous avez, que vous n'avez pas. Enfin, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Comme d'habitude, je veux toujours tout savoir. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et avant que mon appareil coupe, je vous dis bisous, bisous.